Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, un nouveau tuto, ça doit faire deux ou trois ans à peu près que j'ai pas posté de tuto sur cette chaîne. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas vous proposer une nouvelle vidéo avec un nouveau format, avec une caméra. Vous voyez ma face en train de faire le tuto. Voilà, vous me direz si ça vous plaît d'ailleurs en commentaire, c'est toujours bon à savoir. Et donc, on va commencer sans plus tarder, plutôt, puisque aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on avait déjà vu auparavant sur la chaîne, mais que j'avais traité sur le logiciel Sony Vegas. Ça va tout simplement consister à venir supprimer, ou plutôt conserver une couleur sur une vidéo et à supprimer le reste, mettre le reste en noir et blanc. Un peu comme le film Sin City, si vous avez déjà vu. Donc, pour ça, rien de plus simple. D'abord, venir déposer votre vidéo. Jusque-là, normalement, ça va. Moi, j'ai pris une petite vidéo libre de droit sur Pixabay. Vous déposez votre vidéo. Et ensuite, dans Projet sans titre, là, enfin, dans votre fenêtre de projet, vous allez faire un clic droit. Et dans Nouvel élément, vous allez tout simplement venir cliquer sur Calque d'effet. Hop, vous faites OK. Et ensuite, eh bien, vous allez sélectionner ce calque d'effet que vous allez déposer au-dessus de votre vidéo que vous avez importé sur votre... Hop, vous l'étirez jusqu'à la fin de votre vidéo si vous voulez que l'effet soit jusqu'à la fin de votre vidéo. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans le panneau des effets. Dans le panneau des effets, vous allez venir sélectionner effet vidéo, vous cliquez, vous déroulez. Ensuite, vous allez venir chercher correction colorimétrique, vous cliquez, hop, vous déroulez, et vous allez trouver le filtre chromatique que vous allez tout simplement déposer sur votre calque d'effet. Tac, comme ceci. Ensuite, eh bien, dans vos options d'effet, vous allez voir que l'effet a bien été attribué à votre calque d'effet, et vous allez voir qu'il y a la couleur à conserver avec une petite pipette, et quand vous passez votre souris dessus, vous allez, si vous cliquez, vous allez pouvoir venir sélectionner la couleur que vous voulez conserver sur votre vidéo. Admettons que moi je vais conserver le jaune de l'arbre, tac, je vais venir cliquer sur une teinte, voilà ce jaune-ci. Là, vous vous dites, bah, ouais, super, ça a changé quoi? Eh bien, en fait, dans décoloration, là, de base, c'est à 0%, eh bien, vous allez, hop, foutre le reste à 100%. Et là, vous allez me dire, bah, toutes les couleurs ne sont pas conservées. Là, tout mon arbre n'est pas jaune, c'est un peu bizarre. C'est normal. Dans comparaison sûre, de base, c'est réglé en RVB. Et nous, on va cliquer et on va venir sélectionner teinte. Pour tout simplement sélectionner les différentes teintes de la couleur conservée, et ensuite bah, votre effet est quasiment terminé. Il vous reste plus qu'à avec la tolérance et le lissage, à ajuster selon vos envies. Si vous voyez, si je mets la tolérance à 100%, bon, bah, on va revoir le ciel. Et si je le baisse à 100, à 0, voilà, on ne voit plus le jaune de l'arbre. Donc, il faut juste essayer d'ajuster. Voilà. Tac. Hop. En fonction de vos envies. Mais donc, pareil aussi pour le lissage. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile et vous aura plu. Et si ce nouveau format avec la caméra... vous plaît, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et voilà. Allez, moi je vous dis à dans 3 ans pour un nouveau tuto. Et non, j'essaierai de refaire des tutos. Et si vous avez d'ailleurs des propositions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est toujours bon à prendre aussi. Allez, à la prochaine. Salut.